Schoenmakers, geassisteerd door lijnrechters, de heren Maarten Kok en Robbie Keuleers. Alex, 0-0 en soi, c'est pas un mauvais résultat, mais un petit goût de trop peu, surtout quand on connaît le résultat probable de Sprimont qui gagne à Hasselt. Oui, exactement. Bon, on m'a dit que c'était 0-1, qu'il restait quelques minutes à jouer. Espérons peut-être que Hasselt a encore égalisé, parce que je trouve qu'on a pris un bon point aujourd'hui contre une équipe qui est quand même assez redoutable à la maison. On a donné très peu d'occasions, on en a reçu aussi très peu. C'était un match avec deux équipes très bien organisées, mais je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils se sont donnés à fond. Troisième match en une semaine, troisième fois qu'on tient le 0-0, le 0 derrière de suite. Maintenant, il y a encore 90 minutes à jouer et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une équipe comme Baume qui peut encore se placer dans les 6 premiers. Donc la semaine prochaine, Sprimont Baume, ben, espérons que là, Sprimont perd des points, que nous, on gagne absolument, qu'on fasse au dernier match à la maison. Alors, c'est vrai, une défense très solide hein, depuis 3 matchs, pas de but encaissé. Par contre, devant, c'était un peu faiblard quand même aujourd'hui, non? Oui, devant, ça a été un peu moins bon, mais bon, on a peut-être abusé trop de longs ballons. À la mi-temps, on avait dit on va jouer avec le vent, on va essayer de jouer un peu plus au sol. Malheureusement, bon, on a essayé, mais ça n'a pas réussi. Il faut dire aussi que les joueurs de Hoogstraten étaient directement dans nos pieds. Ils avaient un pressing très haut et c'était difficile de nous à construire. On a eu 2-3 belles actions, où on a, comme notamment en première mi-temps, une très belle action au sol. Là, on s'est créé une belle occasion, mais je crois que le score est logique, le 0-0. Je crois que si d'autres résultats étaient en notre faveur, ben on aurait été heureux de prendre ce point aujourd'hui. Je crois que c'est un point mérité pour les deux équipes. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est gagner dimanche et croiser les doigts. Ben oui, dimanche, il n'y a qu'une solution pour nous, c'est de gagner contre Avalin et puis attendre le score des autres. Ça serait bien malheureux de ne pas y arriver avec tous les efforts qu'on a fait depuis des semaines. Mais bon, je dis, officiellement, je n'ai pas encore entendu le score de Hasselt Sprimont, donc attendons, on verra.